Ravi de vous retrouver pour ce numéro de Vue d'ici. Il y a 15 jours, on vous a découvert le fromage d'abondance. On est resté dans cette vallée pour vous faire découvrir cette fois-ci son patrimoine culturel et ses paysages. On ira du côté du géoparc, du côté du lac des Plagnes. On ira également à l'abbaye d'Abondance. Bref, un programme encore très chargé pour ce Vue d'ici. C'est parti, on vous emmène. Nathalie, on est ici dans cette belle vallée d'Abondance. Comment elle se situe cette vallée d'Abondance? Comment elle est constituée? Alors ici, nous nous trouvons dans le Chablais au Savoyard, donc à proximité du Léman et des villes de Thonon-les-Bains et Évian-les-Bains. Et donc la vallée d'Abondance, elle est composée de 6 villages. Donc si on part d'est en ouest, nous avons Châtel, la chapelle d'Abondance, Abondance où nous nous trouvons aujourd'hui, et puis un petit peu plus bas, les villages de Bonnevaux, Vacheresse et Chevenot. Donc ces 6 villages, ils sont situés le long de la Drance, qui est l'affluent principal de la vallée. Quelle est la particularité de cette vallée? Alors en fait, les 6 villages de la vallée d'Abondance se sont engagés dans une valorisation de leur patrimoine. Et donc ils ont obtenu en 2003 le label Pays d'arrêt d'histoire, qui est décerné par le ministère de la Culture et de la Communication. Donc ce label a été renouvelé en 2014 pour une période de 10 ans. C'est quoi ce label concrètement? Alors en fait, donc il existe des villes et des pays. Donc ici c'est un pays puisqu'il contient 6 villages. Donc les villes et pays d'arrêt d'histoire, ils s'engagent à mettre en place une politique culturelle de valorisation du patrimoine, mais aussi de promotion de l'architecture. Donc pour cela, il y a des consultances architecturales qui sont mises en place et puis tout un programme d'animation donc, qui est mis en place autour des différentes thématiques patrimoniales de la vallée. C'est-à-dire du coup lesquelles ici par exemple? Alors sur la vallée d'Abondance, nous avons 6 thématiques. Donc la première, alors on peut bien le voir ici, donc c'est les espaces naturels et le paysage donc qui caractérisent bien sûr la vallée. On a ensuite l'architecture traditionnelle avec notamment les fermes doubles, on a les chalets d'alpage, l'architecture civile, l'agropastoralisme bien sûr, puisque comme vous le savez, la vallée d'Abondance c'est le berceau de la race et du fromage Abondance. Ensuite le patrimoine religieux avec l'abbaye d'Abondance qui est la pièce maîtresse du pays d'arrêt d'histoire. On y aura tout à l'heure. Tout à fait, mais il y a aussi donc les églises paroissiales, les chapelles donc comme celle-ci. Donc nous avons 19 chapelles sur la vallée d'Abondance et puis également de nombreux oratoires. Parce qu'il y a une vraie histoire sur cette vallée d'Abondance qui date d'il y a très très longtemps. Il y a une vraie histoire. Tout à fait, avec donc les religieux qui se sont installés ici à Abondance au 11e siècle. Qu'est-ce que ça change du coup d'avoir ce label? Alors, avec le label, en fait, les communes ont mis en place tout un programme d'animation donc, qui est dirigé par l'animateur de l'architecture et du patrimoine. Et cet animateur s'appuie sur toute une équipe, à savoir les médiateurs des différents sites culturels, mais aussi des guides conférenciers, des guides du patrimoine des Pays de Savoie, des accompagnateurs en montagne et l'architecte conseil pour la partie architecture traditionnelle. Et donc, toute cette équipe va mettre en place un programme d'animation qui comprend des visites guidées, des sorties thématiques, des expositions temporaires. Il peut y avoir des événements qui sont mis en place, des collaborations avec, par exemple, le Géoparc. Et donc, le but est vraiment de valoriser l'ensemble des patrimoines qui font l'identité de la vallée d'Abondance. C'est un cahier des charges très strict, du coup, pour pouvoir, justement, vous le disiez, garder ce label? Alors, c'est surtout un engagement sur la valorisation de ces différents patrimoines. Et puis, dans le cahier des charges, il y a les publics que l'on doit viser, donc à savoir la population locale, donc qui est le premier public, mais aussi le jeune public avec toutes les activités scolaires, périscolaires, les activités de loisirs, mais aussi le jeune public dans le cadre familial. Et puis, il y a les visiteurs qui sont soit en séjour, soit de passage sur la vallée d'Abondance. S'il y avait une vraie demande de cette découverte du patrimoine sur le territoire?
Oui, bien sûr. Alors, il y a une découverte qui se fait naturellement, simplement lorsqu'on se promène sur les sentiers de randonnée. Mais souvent, les visiteurs demandent plus. Ils cherchent à savoir un petit peu plus et à avoir une certaine immersion, en fait, dans le patrimoine de la vallée. Et donc, pour cela, ils aiment bien être accompagnés, donc soit par des guides, soit par des accompagnateurs en montagne. Alors, justement, comment ça se passe si on veut visiter avec un guide? On appelle l'office du tourisme, on appelle les guides du patrimoine. Comment ça se passe? Alors, pour la vallée d'Abondance, on a quatre sites culturels qui programment, pardon, des animations. Donc là, on s'adresse directement au site. Donc c'est l'abbaye, la maison du Val d'Abondance, la vieille douane à Châtel et la maison des sœurs à la chapelle d'Abondance. Ensuite, il y a donc l'animateur du patrimoine qui, lui, peut être contacté pour prendre des rendez-vous pour des visites thématiques, par exemple. Et puis, les offices de tourisme renseignent également très bien sur ce programme d'animation. Et il y a de quoi faire, hiver comme été, même quand il pleut là, comme ça, comme aujourd'hui, c'est quand même magnifique. Et bien, merci beaucoup Nathalie, nous on se retrouve un petit peu plus tard dans l'émission, on ira du côté de l'abbaye, vous nous expliquerez un petit peu aussi cette abbaye. Merci beaucoup, puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Sophie, on est en extérieur. Bon, il pleut un petit peu aujourd'hui, il fait froid. On est autour du lac des Plagnes. Qu'est-ce que c'est que ce lac? Bon, c'est un super lac. C'est un des sites de visite du Géoparc Chablais UNESCO. Et en fait, c'est un lac qui a été formé par le passage des glaciers. Les montagnes autour de nous, ils étaient arrêtés dans l'édification il y a à peu près 5 millions d'années. Et par la suite, depuis 2,6 millions d'années, le paysage des Alpes a été sculpté par une trentaine des périodes glaciaires. Et ici, on a un paysage qui est caractéristique. Et il y avait un grand glacier qui est descendu, le glacier d'Ardon, qui est descendu dans ce vallée. D'accord. Il y a à peu près 75 millions d'années jusqu'à 20 000 ans. Et en fait, il a sculpté ce vallée. D'accord. Parce que sous ses poids, il a érodé le paysage. Alors, on est sur un site qui est classé Géoparc. Qu'est-ce que ça veut dire, ce label? Bon, Géoparc, c'est un label UNESCO. C'est un nouveau label UNESCO qui a été créé en 2015. Et c'est tout un travail d'un territoire. C'est les 62 communes du Chablais, portées avec le SIAC, qui travaillent ensemble pour valoriser leur patrimoine naturel et culturel. Et on travaille pour respecter les valeurs UNESCO de science, éducation et culture. Du coup, ça se traduit comment, en fait? C'est un projet du territoire. Et en fait, on a certains sites comme celui-là. Il y a un réseau autour du Chablais avec 22 sites qui sont en visite libre, avec les panneaux, un petit circuit, les sites associés. On propose des animations gratuites en hiver et été. On travaille beaucoup avec les écoles, on a pas mal de projets avec les écoles et on fait partie d'un réseau international, on fait des projets de coopération avec les autres territoires. C'est-à-dire que si on vient, on prend sa voiture, on se gare là-bas tout en haut et après on peut faire le tour du lac, c'est ça? Tout à fait, vous pouvez trouver des informations soit sur le site web du Géoparc Chablais ou soit dans les offices de tourisme. En visitant un site, il y a un petit circuit, il y a des choses à voir et des choses à apprendre. C'est un circuit qui est destiné à quel type de personnes? Bon, mais les sites de la géoroute, c'est orienté à tout le monde, un public familial, les locaux et les visiteurs du territoire. Le fait que ce soit classé Géoparc, ça amène forcément plus de monde, j'imagine, parce qu'il y a le label et puis c'est peut-être un peu plus connu du coup. En fait, on espère bien, mais ce label, comme j'avais dit, il est tout nouveau. Il a été créé en 2015 et on est en train de communiquer là-dessus. Mais un label UNESCO, c'est une très bonne atout. Ça montre la qualité de nos offres, la qualité des patrimoines au Chablais. Et comment on obtient ce label? Il y a une longue période de candidature. Il faut préparer un dossier. Ça prend à peu près 18 mois d'être étudié, puis une mission d'évaluation. Par la suite, le jury de UNESCO y donne son avis. Et tous les 4 ans, les labels sont réévalués.
D'accord, donc on peut le perdre en cours de Oui, route. c'est-à-dire qu'il faut maintenir l'auteur. Et du coup, c'est ça, donc ça veut dire qu'il faut maintenir, il y a un cahier des charges, comment Oui, ça se passe? on a un cahier des charges avec à peu près 240 critères. D'accord, ce qui est quand même assez. C'est des critères d'environnement, des critères Tout de à quoi? fait. On a 5 volets du travail, l'éducation, on a développement durable avec le travail avec les producteurs locaux du terroir, le fromage, etc. On a également le tourisme pour les sites comme ici, la recherche, la préservation et également, comme j'avais mentionné, les projets de coopération. Parce que la faune, pardon, pas la faune, la faune et la flore ici, c'est aussi très important. On a vu quelques panneaux là-bas tout à Oui, l'heure. Il y a une faune qui est tout quand à même fait. très. À sa base, un géoparc, il a un patrimoine remarquable à l'échelle mondiale. Et pour nous, c'est l'histoire des Alpes qu'on raconte en Chablais, dans une manière très complète. Mais on valorise tous les patrimoines et on essaie de communiquer nos richesses avec la population locale. Donc, on peut venir hiver comme été. Bon, l'hiver, Oui. c'est un petit peu verglacé, il faut faire attention. On peut aussi patiner un peu sur le lac. Oui, tout à fait. Ce lac, en fait, il a devenu une marée et ils avaient créé ce digue pour créer un lac d'agrément. Et aujourd'hui, en été, vous pouvez faire de la pêche. Et en hiver, oui, c'est un patinoire. Bon, et ben, il y a plein de choses à faire et à venir découvrir Tout ici. Et à puis, fait. on vous appelle, on appelle l'office du tourisme et puis on prend des renseignements et on vient visiter. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. Merci. Merci. Alors, Laure, on est ici dans l'église qui fait partie de l'abbaye d'Abondance. Cette église, l'abbaye d'Abondance, comment elle est arrivée ici sur ce territoire? Quelle est un petit peu son histoire? Alors en fait, les premiers religieux qui sont arrivés ici sur le territoire de la vallée étaient des voisins qui venaient d'une abbaye voisine, l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone, qui existe toujours. Et ces chanoines sont venus s'installer ici pour retrouver un certain idéal spirituel. Très vite, ils ont réussi à se développer, à rayonner sur le territoire. Ils ont pu faire construire cette église à peu près un siècle après leur arrivée, à partir du XIIIe siècle. Et jusqu'au XVe, ça a été vraiment une grande période de rayonnement. Alors cette église, elle a des particularités. Alors, au niveau de son architecture, oui, effectivement, elle a subi plusieurs dégradations. La partie la plus ancienne, c'est la partie dans laquelle on se trouve, ce chevet ici, hein, qui vient entourer le chœur. Et puis, elle a été reconstruite plusieurs fois à cause d'incendies successifs. Et c'est notamment la nef qui est la partie la plus récente, donc toute la partie à traverser à l'entrée de l'abbatiale. Au niveau de son plan, on va plutôt la qualifier de construite, en tout cas dans une architecture gothique, gothique de montagne. Plus typique, on va dire, plus massive en tout cas que ce qu'on a l'habitude de voir dans l'architecture gothique. Et puis elle a la particularité effectivement de posséder ce déambulatoire, hein, ce couloir qui entoure le chœur et qui permet d'accéder aux différentes chapelles rayonnantes. Alors combien il y a de chapelles qui sont Alors restées sept tout? réparties tout autour du chœur. Ce qui est beaucoup pour c'est rare, c'est assez rare. C'est le nombre habituel de chapelles que l'on va rencontrer dans les églises. Alors c'est entre 3 et 7. Alors il y a aussi une autre particularité, c'est les fameux trompe-l'œil qu'on voit tout autour de l'église. Oui, effectivement. Donc on a un artiste qui a, je peux dire, sévi. Peut-être sur le territoire savoyard, donc au XIXe siècle, il était en fait mandaté hein, par la cour du roi de Piémont-Sardaigne pour redécorer à la mode de l'époque les différentes églises du secteur. C'est donc Casimir Vicario qui est intervenu dans les années 1847-48 ici, et sa grande particularité, c'était effectivement de réaliser des décors en trompe-l'œil. Donc on le voit effectivement sur toute la galerie de personnages du deuxième étage, des statues représentant les apôtres et les vertus, et qui sont en fait de simples planches de bois d'à peu près 1 cm d'épaisseur.
découpée à la forme des silhouettes des personnages et peinte en grisaille. Alors, elle a aussi été rénovée beaucoup plus récemment, cette église, de nombreuses fois et très récemment aussi. Oui, effectivement. Donc, la partie la plus récente, je vous le disais, c'est donc la nef, principalement sa façade, qui, elle, a été reconstruite donc, au début du siècle dernier. Et puis, c'est la dernière intervention, si je puis dire, ça concerne les décors intérieurs, les décors de Vicario, qui ont été entièrement restaurés, justement, il y a une dizaine d'années maintenant que cette intervention s'est terminée. Et justement, à certains endroits, certaines couches ont été redécouvertes des décors précédents, ce qui peut nous permettre d'avoir une petite idée, justement, de la manière, de l'ambiance, en tout cas générale, qui devait régner dans l'édifice avant que Vicario n'impose son style. Et cette église, on peut bien évidemment la visiter? Oui, bien sûr. Alors, elle reste accessible. Elle est ouverte tous les jours. Elle fait partie également du circuit de visite de l'abbaye. Donc, vous pouvez découvrir le cloître, le monastère, son exposition d'art sacré et bien sûr, venir de manière libre et indépendante ici à l'intérieur de l'église. Et puis, il y a toujours des messes qui sont données ici. Effectivement, elle reste un lieu de culte. Elle est église paroissiale. Elle est le centre, d'ailleurs, de la paroisse Saint-Maurice qui regroupe les six villages de la vallée d'Abondance. Et le culte est régulier ici à l'intérieur de l'église. Eh bien, merci beaucoup, Laure. On a à peu près fait le tour de cette église. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir. Nous, on va filer du côté du cloître et voir un petit peu le reste de cette abbaye. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Alors Nathalie, on vous retrouve, on vient de sortir de l'église par cette porte, on se trouve dans le cloître ici, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc le cloître, il a été construit un petit peu après l'église puisqu'il est daté du XIVe siècle et il a plusieurs particularités, notamment donc, les sculptures. Alors on voit avec la porte de la Vierge, donc ce sont des sculptures réalisées dans de la molasse, c'est du grès calcaire que l'on trouve sur les bords du Léman. Et c'est une pierre qui est facile à sculpter et légère, c'est pourquoi elle était utilisée. Alors, il faut par contre s'imaginer ces sculptures à l'origine tout en couleur. D'accord. Et on a encore quelques petites traces d'ocre par endroit. Il y avait aussi, avant, là on est sur trois parties, il y avait une quatrième partie à l'époque de sa construction. Oui, donc par définition, un cloître est fermé, hein, puisque ça vient du mot clôture. Et la quatrième galerie donc, qui se trouvait ici a été détruite par un incendie, donc en même temps que la nef de l'église au XVIIIe siècle. Alors, tout autour de ce cloître, il y a aussi les peintures. Alors, ces peintures, elles sont détériorées un peu avec le temps. Qu'est-ce qu'elles représentaient, ces peintures? Alors, à l'origine, on avait 24 peintures murales qui représentaient le cycle de vie de la Vierge Marie. Alors, effectivement, certaines ont totalement disparu, d'autres sont dégradées, mais il en reste 6 pour lesquelles on a une très belle peinture de très bonne qualité. Donc, on parle de peinture murale, puisqu'en fait, on a à la fois de la technique de la fresque et de la peinture à la détrempe. Et elle représente donc le cycle de vie de la Vierge Marie. Alors, elles se sont détériorées avec le temps. Vous disiez, il y a aussi des cadres, du coup, qui ont été mis pour essayer de montrer un petit peu à quoi ça ressemblait à l'époque. Oui, tout à fait. Alors, pour certaines peintures, on a la chance d'avoir des reproductions aquarelles grandeur nature qui se trouvent au Musée des Monuments Français à Paris, donc au Palais Chaillot, et qui nous permettent de voir comment les peintures étaient à la fin du XIXe siècle. Donc, elles étaient déjà dégradées, mais moins qu'aujourd'hui. Alors, malheureusement, la dégradation se poursuit. Elle est due au fait que l'on soit en extérieur. Hein. Il est très rare d'avoir des peintures murales comme celle-ci en extérieur. Et puis, alors on le sent peut-être un petit peu aujourd'hui, on a surtout les cycles de gel et de dégel qui vont venir endommager également les peintures. Et c'est compliqué du coup d'éventuellement d'essayer de les conserver. Il n'y a pas vraiment de moyen, vous le disiez, de conserver ces peintures. Effectivement, on ne peut pas tellement intervenir sur les peintures dans leur état de conservation. Par contre, il y a des restaurations qui permettent de faire ressortir ce qui est encore existant. Et puis, tout un travail de nettoyage, notamment pour enlever ce qui est fiente d'oiseaux, par exemple, qui viennent également abîmer un petit peu la peinture et puis empêcher la lecture. Alors, ce cloître, c'est comme l'église, on peut venir le visiter, bien évidemment. Oui, tout à fait. Donc, nous sommes ouverts au public, on va dire, 10 mois et demi sur 12. Alors, un petit peu moins l'hiver, nous sommes ouverts l'après-midi de 14h à 17h. Et puis, sinon, c'est la grosse période, donc c'est vraiment du mois de mai jusqu'au mois de septembre, où là, nous sommes ouverts tous les jours. Et puis, il y a aussi une exposition d'art sacré, du coup, qui est mise en place ici dans ce cloître pour faire venir encore plus de visiteurs. Qu'est-ce que c'est, cette exposition? Alors, en fait, on a une collection d'art sacré qui est mentionnée à l'abbaye d'Abondance dès le XIXe siècle. Aujourd'hui, elle compte plus de 1500 objets
et dont principalement des vêtements liturgiques. Et en fait, une exposition a été mise en place pour présenter une partie de cette collection. On ne voit pas tout, évidemment. Cette exposition s'appelle « De l'histoire à l'art, patrimoine sacré en vallée d'abondance ». Et elle présente un petit peu l'ensemble du patrimoine religieux de la vallée, pas uniquement de l'abbaye, et au travers des siècles. C'est-à-dire qu'on a des objets qui vont du XVe siècle jusqu'au XXe siècle. Ça intéresse toujours les gens quand ils viennent voilà, de voir un petit peu, c'est toujours sympa. Il y a aussi des enfants qui viennent avec des classes, c'est, voilà, quand, ils sont assez ravis, j'imagine, quand ils viennent ici découvrir un peu ce patrimoine-là. Oui, tout à fait, puis c'est surtout un prétexte à découvrir d'autres choses avec les enfants, notamment. On va proposer des ateliers de calligraphie, des ateliers vitraux, on va faire également de la fresque avec eux. Donc c'est l'abbaye sert de base pour présenter quelque chose et ensuite on a des ateliers pratiques. Donc vous recevez, vous disiez, 15 000 visiteurs à peu près par an, vous espérez plus j'imagine, donc plein de choses vont être mises en place, des nouveautés éventuellement, de ce genre de choses pour attirer les gens qui sont de passage ici à Abondance. Oui tout à fait, alors on essaye toujours effectivement de renouveler nos animations, on propose pendant l'hiver des visites aux flambeaux, par exemple, qui attirent énormément les familles. Après, l'été, on organise des événements. On est aussi ouvert sur les grands événements nationaux, par exemple, pour les journées du patrimoine. Et à ce moment-là, on met en place des animations spécifiques selon le thème proposé. Et puis, on a également beaucoup travaillé ces derniers temps, en même temps que les travaux de restauration des toitures, où on a fait intervenir, en fait, les artisans pour faire des démonstrations de taille de pierre, par exemple, ou également les tailles des ardoises qui sont posées ici sur la couverture. Effectivement, on n'a pas parlé de la toiture qui a été rénovée très récemment. Ça continue à être rénové régulièrement ici. Oui, tout à fait. Alors, c'est un petit peu un chantier permanent, mais c'est vrai que ça donne aussi une vie à l'abbaye. Donc là, il y a eu 4 années de travaux pour la couverture du monastère. Et dès le printemps, on va avoir la couverture des chapelles que vous venez de voir, des chapelles absidiales, donc le chevet qui va être refait. Et bien encore beaucoup de travaux. Et puis ben donc, il y a plein de choses à voir ici à Abondance, on l'a vu durant toute cette émission. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre vallée. Et puis aussi, les gens veulent venir, et voilà, ils peuvent passer un petit coup de fil. Et puis c'est parti, on visite le cloître, l'église et toute cette vallée. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous, bonne journée. C'est la fin de cette émission, on était ravis avec toute l'équipe et bien de vous faire découvrir cette vallée d'Abondance et son histoire. N'hésitez pas si vous voulez venir visiter ici, notamment le cloître et l'église, l'équipe de Nathalie se fera un plaisir de vous accueillir. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez voir et revoir toutes les émissions sur notre site internet 8montblanc.fr et nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. À bientôt.